Un jour, tu m'as dit, encore quelques-uns et je viens t'enlever. Et ça m'a fait sourire, et ça m'a fait plaisir, et ça m'a fait envie même. Et en même temps, aussitôt, j'ai senti un petit caillou, un scrupule. Parce que l'enlèvement, c'est le rapt. Et le rapt, c'est le viol. Le rapt de Proserpine, le rapt des Sabines, et l'enlèvement d'Europe. C'est pas juste pour traverser le ciel. Non, mais j'ai dit oui. Non, j'ai pas dit oui. J'ai juste dit ok. C'était pourtant de la fiction, juste des mots. Oui, mais non, je n'ai pas eu envie de dire oh oui, enlève-moi. J'ai pesé mes mots, j'ai dit ok, seulement ok. Mais le scrupule restait là. J'aurais pu dire « Non, tu ne m'enlèveras pas. » Mais c'était de la fiction, c'était un jeu. Et je n'avais pas envie d'arrêter de jouer tout de suite. Alors voilà. Ok, ça veut juste dire « Ok, Rogers, reçu 5 sur 5. » Mais toi, qu'est-ce que tu as compris, toi? À quel propos était-ce au fait? Il suffisait de quelques-uns. Quelques-uns de quoi? C'était des points communs. Parce que je venais de dire que j'étais en train de manger du lait Nestlé concentré sucré et je t'ai dit « j'adore ça ». Et tu as dit « moi aussi ». Alors j'ai dit « ça nous fait enfin un point commun ». Et tu as dit « c'est le 34 millionième 768 millième 977e de nos points communs ». Tu aimes les hyperboles, et moi je suis plutôt litote. Nous sommes le jour et la nuit, et tu le sais. Mais j'ai aimé l'hyperbole. Et si ça se trouve, tu as pris mon ok pour une litote, un consentement, et me voilà à deux doigts d'acquiescer à un enlèvement. Moi qui n'ai jamais rêvé d'être une princesse, passer ma vie à filer la laine sur la quenouille, à broder, à tisser. Mais qui n'a jamais eu envie d'être enlevé? Bon, j'ai quand même tout de suite senti mon petit caillou intérieur et pensé au rapt des Sabines, la scène fondatrice du royaume de Rome. Lorsque Romulus se rend compte qu'il n'a pas de femme avec lui, il invite les Sabins, avec leurs femmes et leurs filles, à assister à des jeux. Et il organise un enlèvement collectif qui en réalité se transforme en viol collectif. Romulus a besoin de femmes, il commande, il prend. Et ensuite, les historiens appellent ça le mariage